Opération sécuritaire conjointe annoncée par les chefs de la police tanzanienne et mozambicaine. Les chefs de la police des deux pays se sont rencontrés au sud de la Tanzanie afin de coordonner leur action pour lutter contre l'insurrection terroriste au nord du Mozambique qui s'est récemment étendue au-dessus de la frontière entre les deux pays africains. Une rencontre sécuritaire intervenant un mois après l'attaque du village tanzanien de Kitaya menée par près de 300 combattants islamistes en provenance du Mozambique. Le Mozambique aujourd'hui est la proie des velléités et des attaques terroristes. Il y a un effet de contamination qui menace évidemment la Tanzanie voisine. Il est donc important pour ces deux États, dans le cadre d'une urgence sécuritaire, de pouvoir harmoniser les stratégies de lutte contre le terrorisme dans ces zones, en essayant de mettre une véritable politique de radicalisation, une décentralisation poussée dans les régions essentiellement à forte composante islamique. C'est depuis 2017 que les insurgés islamistes mènent des attaques répétées dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, qui ont déjà fait, selon les statistiques actuelles, plus de 2300 décès et 500 000 déplacés. Contrairement aux autres régions de l'Afrique où la plupart des groupements djihadistes reposent essentiellement sur des fondements idéologiques à caractère religieux, les mouvements insurrectionnels en Mozambique reposent essentiellement sur des motivations purement économiques. Il faut redéfinir le concept notamment de la distribution de la richesse. C'est une exigence pour ces deux États de contenir alors ces mouvements radicaux essentiellement sur le plan économique. Précisons que la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, le Zimbabwe ainsi que d'autres pays européens et américains se sont engagés auprès du Mozambique pour mettre fin à ces actes terroristes mettant en péril la sécurité régionale et la vie des populations.